Et ça tout le monde, c'est Tazer Récupération. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 414 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous du coup dans l'épisode précédent, on s'était attaqué tout simplement au petit sanctuaire de Zika Isen. On avait fait aussi quelques grottes, on avait exploré également quelques petits trucs, on avait découvert quelques noix Korogu, on avait fait un petit camp, voilà, et donc les amis, on s'était quitté dans le fort du guet, dans lequel on va pouvoir avoir notre nouveau réceptacle de cœur grâce au sanctuaire que nous avons fait. On avait découvert d'ailleurs un sanctuaire pas très loin. Alors je sais pas où exactement, si je l'ai noté là, ce n'est pas... Ah non, c'est pas ça. Mais on en a découvert un quand on était vers ici, je crois, donc il est quelque part par là. Alors c'est peut-être par là, justement, parce que là, vous voyez, c'est un peu vide, c'est un peu étrange. Mais voilà, donc on le fera à un autre moment, mais on sait que du coup, il y en a deux au total. Hein, je vous rappelle que du coup, il est censé y en avoir 152 dans le jeu. Donc ça veut dire qu'il nous en manquerait plus que 30, à savoir un petit peu. Et du coup, c'est parti, on va du coup actionner notre statut. Donc c'est l'épisode d'amélioration, donc vous voyez le fameux truc qu'on a lancé à l'épisode 410, voilà. Donc il y a 4 épisodes pour vous. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des lueurs bienfaisantes, si tu le souhaites, tu peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces lueurs. Que souhaites-tu recevoir? Je veux un cœur en plus. Tu souhaites recevoir un réceptacle de cœur? Bien sûr. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Et ça, c'est très bien. Plus que 5 réceptacles de cœur, normalement. Du coup, pour avoir du coup notre deuxième barre de cœur entièrement remplie. Réceptacle de cœur, ce très précieux objet vous permet de récupérer un peu de l'énergie vitale que vous ont fait perdre les miasmes. Votre nombre de cœur augmente de 1. Voilà. Vaille, ramène la paix dans le monde. Plus que 5 réceptacles de cœur, les amis, pour avoir du coup notre barre de cœur full. Et du coup, on va notifier les puits, puis après on ira s'attaquer aux fées, voilà. C'est juste que comme ça me permettra d'avoir quelques rubis en plus. Ça me permet d'avoir quelques rubis en plus et les noter aussi. Hop, par contre, il a pas voulu prendre l'échelle. Bon, later. Ok. Salut toi. Alors... On trouve parfois des fées à l'intérieur des puits, même si c'est assez rare. Elles ne sont pas faciles à attraper, mais en avançant lentement et sans bruit, ce n'est pas impossible. Dis-moi tout, tu es venu m'indiquer la position d'un puits, oui. Merci, donc cette fois tu m'as aidé à localiser 7 puits. On a dit 10 rubis par puits, ce qui te fait un total de 70 rubis. Merci pour l'info, je suis pressé d'aller voir ça de mes propres yeux. Désormais, il devrait nous rester encore 18 puits à localiser. Certains vieux puits cachés sont particulièrement difficiles à trouver. Ça serait plus facile s'il existait un outil permettant d'effectuer des recherches. Mais bon, si tu fais une nouvelle découverte, n'oublie pas de venir me prévenir. Ok. Ok, je sais plus si... Ok, il parle de fées, mais je me dis peut-être qu'il y en avait une là, mais je... Non, il n'y en avait pas là. Ok, bon, écoutez les amis, c'est parti. Donc on va s'attaquer... à l'épisode fée, l'épisode fée, on va aller là comme à son habitude. Et ouais, c'est notre endroit préféré en fait au niveau des fées. Je trouve cet endroit beaucoup plus cosy, beaucoup plus charmant. Et il y avait un truc là-haut. J'ai pas fou, il y avait un truc là-haut qu'on a pas vu, non? Ok, on ira quand dans l'épisode prochain. Là, on va d'abord faire ça et. Et on ira dans l'épisode prochain. Allez, c'est parti. Sachant qu'on a aussi le corps de manœuvre à explorer. On a tellement de choses à explorer que ça devient what the fuck. Donc là, on va essayer d'améliorer quelques tenues. Ça serait bien de... Voilà, d'améliorer un petit peu des tenues. Sachant que du coup, le slot des tenues en bas, ça permettra de savoir le 100% des tenues, justement. Normalement. Ah, au cas où, le slot en bas, c'est un slot dans lequel, s'il y a des tenues qui sont pas améliorables et que je ne sais pas encore, je vais pas le notifier. Hein. Donc, je le notifierai que quand je le saurai vraiment. Quoi. Alors, vu qu'on a récupéré qu'une tenue entre l'épisode 410 et l'épisode 414, voilà, pour vous dire. Tadam! Le monde a bel et bien sombré dans la décadence. Tu es venu me faire renforcer tes vêtements, n'est-ce pas?
À l'heure actuelle, je peux améliorer tes vêtements au maximum de la résistance. Ça t'intéresse, bien sûr. Alors, normalement, on a... C'était pas... Ok, ça, vous voyez, ça peut être améliorable. Donc, on va améliorer le diadème saphir. On va passer de 8 à 12 de défense anti-chaleur. Et cela requiert 6 saphirs bruts sur 15 et 1 fragment d'étoile sur 9 et 200 rubis. Je dois renforcer le diadème saphir, c'est bien cela? Oui, vas-y. Bien, ferme les yeux. Du coup, là, on va vraiment consommer tous nos rubis, hein, je vous le dis. Diadème saphir, 3 d'étoiles, 12 de défense, anti-chaleur. Le saphir de ce bijou Gerudo, ciselé avec soin, renfermerait un pouvoir de glace qui aide à supporter la chaleur. Une grande sœur augmenter sa défense de 3 niveaux. Et voilà, merveilleux, n'est-ce pas? Dois-je renforcer d'autres de tes vêtements? Oui, vas-y. Donc on va renforcer, évidemment. Alors, du coup, on va faire les choses dans l'ordre. Par contre, j'aimerais juste... ok, en fait... Alors non, c'est dans Breath of the Wild. En fait, j'ai l'impression à chaque fois qu'on l'a, lui. Mais non, en fait, je crois que c'est dans Breath of the Wild, hein. On n'a pas d'autres tenues. Non, on n'a pas. Ok. Donc, du coup, bah, le masque de Shake. Dans le... On va pouvoir, du coup, l'améliorer de 2 à 4 de défense. Discrétion plus. C'est alors qu'il y a une princesse de la sérénité sur 38 et un fragment d'étoile sur 8. Le masque de Shake, c'est bien ça que je dois renforcer? Oui, vas-y. Bien, ferme les yeux. Bon, par contre, c'est très coûteux, hein, évidemment. Tout est trop coûteux. Masque de Shake, 4 de défense, discrétion plus, 1 étoile. Ce masque de Shake qui a aidé le héros qui traversait le temps est idéal pour passer inaperçu. Une grande sphère a augmenté sa défense d'un niveau. Et voilà, merveilleux, n'est-ce pas? Dois-je renforcer d'autres de tes vêtements? Oui, vas-y. Et du coup, on va renforcer de nouveau le masque de Shake. Donc, on va pouvoir passer de 4 à 6 de défense, discrétion plus. Cela requiert 2 princesses de la sérénité sur 37 et 2 fragments d'étoiles sur 7 et 50 rubis. Je dois renforcer le masque de Shake, c'est bien cela? Oui, vas-y. Bien, ferme les yeux. Par contre, les fragments d'étoiles, évidemment, c'est très coûteux. Donc ça, c'est juste à mettre la nuit, tu regardes le ciel et on y va. Et puis après, on fait ça infiniment, quoi. Vous avez compris? Donc du coup, pour les fragments d'étoiles, on sera... Comment faire? Masque de Shake, 2 d'étoiles, 6 de défense, discrétion plus. Ce masque de Shake qui a aidé le héros qui traversait le temps est idéal pour passer inaperçu. Une grande fille a augmenté sa défense de 2 niveaux. C'est absolument ravissant, il m'arrive encore de m'étonner moi-même. Donc j'ai renforcé d'autres de tes vêtements, oui vas-y. Et du coup on peut renforcer encore le masque de Shake. On va passer de 6 à 9 de défense. Et du coup bah, cela requiert 4 princesses de la sérénité sur 35 et 3 fragments d'étoiles sur 5 et 200 rubis. Le masque de Shake, c'est bien ça que je dois renforcer? Oui vas-y. Bien, ferme les yeux, par contre c'est ultra coûteux, hein. C'est ultra coûteux. Masque de Shake, 3 d'étoiles, 9 de défense, discrétion plus. Ce masque de Shake qui a aidé le héros qui traversait le temps est idéal pour passer inaperçu. Une grande sphère a augmenté sa défense de 3 niveaux. Et voilà, merveilleux, n'est-ce pas? Dois-je renforcer d'autres tes vêtements? Oui, vas-y. Et du coup, ben, on va continuer, hein. De toute façon, on est loin d'avoir fini. Donc on va améliorer le masque du dieu démon, dans lequel on va passer de 3 à 5 de défense, attaque plus. Cela requiert 5 d'angle d'inox sur 37 et une écaille d'or drague sur 1, c'est très coûteux. Le masque de dieu démon, c'est bien ça que je dois renforcer? Oui, vas-y. Et 10 rubis, évidemment. C'est bien, ferme les yeux. Ça, c'est ultra coûteux. Et même les écailles, avoir les écailles d'or drague, etc., c'est des trucs qui vont nous durer longtemps. Hein. Masque du dieu démon, 5 de défense, attaque plus. Et une étoile, cet objet appartenait au héros d'un monde menacé par la lune. Il confère à son porteur la grande force du dieu démon. Une grande sphère a augmenté sa défense d'un niveau. C'est une réussite complète, voilà, qui devrait apporter davantage de défense. Dois-je renforcer d'autres de tes vêtements? Bien oui, vas-y, bien sûr. Et de nouveau, le masque du dieu démon, les amis. Dans lequel on va pouvoir passer de 5 à 8 de défense. Cela requiert 5 d'andinox sur 34 et une griffe d'ordrague sur 2 et 50 rubis. Bien, je vais renforcer le masque de dieu démon, nous sommes d'accord? Oui, vas-y. Bien, ferme les yeux. C'est très, très, très coûteux. C'est ultra coûteux. Masque du dieu démon, 2 d'étoiles, 8 de défense, attaque plus. Cet objet appartenait au héros d'un monde menacé par la lune. Il confère à son porteur la grande force du dieu démon. Une grande sphère a augmenté sa défense de 2 niveaux. Et voilà, merveilleux, n'est-ce pas? Et dois-je renforcer d'autres de tes vêtements? Oui, vas-y.
Et du coup, bah ok, là on va plus. Ensuite, le masque de rêve. On va passer de 3 à 5 de défense. Alors qu'un 10ème Nox sur 161 et un fragment d'étoile sur 2. Tu veux que je renforce le masque de rêve, n'est-ce pas? Oui. Bien, ferme les yeux. Masque du rêve. 3. Enfin, 5 de défense, 1 étoile. La légende veut que ce masque représente le héros captif d'une île mystérieuse que nul ne pouvait quitter. Une grotte fait augmenter sa défense d'un niveau. C'est une réussite complète, voilà qui devrait apporter davantage de défense. Dois-je renforcer d'autres tes vêtements? Oui, vas-y. Et on peut de nouveau faire le masque de rêve. Donc on va améliorer de 5 à 8 de défense. Cela requiert 15 gemmes Nox sur 151 et 1 fragment d'étoile sur 1 et 50 rubis. Donc bien, je vais renforcer le masque de rêve. Nous sommes d'accord? Oui, vas-y. Bien, ferme les yeux. Alors, le masque du rêve, 2 étoiles, 8 de défense. La légende veut que ce masque représente le héros captif d'une île mystérieuse que nul ne pouvait quitter. Une grande fée a augmenté sa défense de 2 niveaux. C'est absolument ravissant. Il m'arrive encore de m'étonner moi-même. Dois-je renforcer d'autres de tes vêtements? Oui, vas-y. Et du coup, ok, on a encore, on peut renforcer l'armure du dieu démon. Donc, on va pouvoir passer de 3 à 5 de défense. Attaque plus, cela requiert 5 d'onglets d'inox sur 32 et une écaille de Nedrax sur 1. C'est très coûteux. L'armure du dieu démon, c'est bien ça que je dois renforcer? Oui, vas-y. Bien, ferme les yeux. Il a un dirubis. Armure du dieu démon. 1 étoile, 5 de défense, attaque plus. Cette tenue du héros d'un monde menacé par la lune confère son porteur la grande force du dieu démon. Une grande fée a augmenté sa défense d'un niveau. Et voilà, merveilleux, n'est-ce pas? Dois-je renforcer d'autres de tes vêtements? Oui, vas-y. Et du coup, ok, bon, ça arrive vraiment, je m'en doutais. La culotte barbare. On va pouvoir passer de 3 à 5 de défense, attaque plus sur la requin. 3 fleurs lames sur 65 et 10 rubis. Je dois renforcer la culotte barbare, c'est bien cela? Oui, vas-y. Bien, ferme les yeux. La culotte barbare, 1 étoile, 5 de défense, attaque plus. Les tatouages qui accompagnent cet habit d'un peuple guerrier augmentant l'attaque et la combativité de leur porteur. Une grotte fait augmenter sa défense d'un niveau. Et voilà, merveilleux, n'est-ce pas? Dois-je renforcer d'autres de tes vêtements? Oui, vas-y. Ok, donc évidemment... Oh, par contre, c'est coûteux encore. La botte du dieu démon, parfait. Donc, on passe 3 à 5 de défense, attaque plus sur le requin. 5 ongles d'inox sur 27 et une écaille de Rodrak sur 1 et 10 rubis. Bien, je vais renforcer la paire de bottes du dieu démon. Nous sommes d'accord? Oui, vas-y. Bien, ferme les yeux. Bottes du dieu démon, 5 de défense, 1 étoile, attaque plus. Ces bottes de héros d'un monde menacé par la lune confèrent à la portière la grande force du dieu démon. Une grande fée a augmenté leur défense d'un niveau. Et voilà, merveilleux, n'est-ce pas? Je voulais améliorer d'autres tes vêtements, mais je crois que ça sera pas possible. Si tu rassembles des vêtements ou des matériaux, n'hésite pas à repasser par ici. Bien, je regarde ma fontaine. À une prochaine fois. Mais comment je fais pour savoir un petit peu ce qu'il me faut? Mais attendez, je fais comment? À l'école ou quoi? Coff, coff. C'est à cause des miasmes, je les sens ici. Tu es venu faire renforcer tes vêtements, n'est-ce pas? Oh, mais ça alors, tu ne possèdes aucun vêtement que je puisse améliorer, c'est fou, non? Mais peut-être je regardais trop vite. Tu veux bien jeter un œil? D'accord. Je vais vérifier pourquoi je peux pas améliorer des vêtements. Voilà, donc parfait. On va pouvoir du coup savoir. Bah, parce que je me suis dit, mais elle est conne ou quoi? Moi, je veux savoir ce qui pourrait me manquer. Donc voilà, on a plein de choses. Donc on va essayer tout simplement d'améliorer, de trouver par exemple la queue de l'Esalfos de glace. Donc on va essayer de farmer un peu ça. Il nous en faudra 6, donc on va du coup essayer de choper ça. On va essayer de choper ça. Donc comme ça on pourra avoir le parure des sablons à 100%. Donc il me faut 6 queues de glace. Voilà, comme j'ai dit, on se focalise sur un truc finalement. Et du coup, 6 queues de glace. Les queues de glace, on sait qu'on peut les trouver en Ebra ou en Lanel. Mais je pense qu'en Ebra, ça peut être bien. Donc évidemment il faut les alphos. Je vous laisse devenir 1000 de glace. Voilà.
Donc il m'en faudra 6 autres. Hein. Ah par contre, j'ai froid d'après le jeu, donc on va quand même s'équiper de notre tenue froid. Ah par contre, non. Alors j'aimerais bien garder ça, donc justement. Le problème c'est que comme par hasard, je n'ai pas des... Je n'ai rien d'anti-froid en fait, c'est ça le problème. C'est que je n'ai rien d'anti-froid en termes de tenue de doublé, vous voyez. Ah si, c'est bon, on a ça, c'est bon. Tac. Alors du coup, Abraham. Ah mais je suis con, parce que de toute façon, si les Noakorogu, comme ça on les note, mais on les fera pas dans ces épisodes-là. Ah par contre du coup, attendez. Encyclopédie des Hyrule. Chef Boko, parfait. Chef Boko, plaine d'Hyrule, colline... Alors, habitat principal, plaine d'Hyrule, colline d'Hyrule, caractéristique, cette impressionnante montagne de chair et de un chef de troupe Bokoblin. Ses acolytes se plient à tous les ordres qui leur intiment à leur coup de sifflet, la lourde corde qu'ils portent sur la tête pourrait ouvrir en deux un arbre de belle taille. Matériel récupérable, croc de Chef Boko, corne de Chef Boko. Voilà, donc du coup, on va tout simplement savoir un petit peu... Alors, j'ai les queues bleues... C'est des queues de les alphas de glace. Normalement, les queues ne sont pas... On peut pas les choper, mais par contre... Enfin, on peut pas les avoir truc, mais... Les queues de les alphas de glace. D'argent, noir. J'ai pas de glace, j'ai pété les blonds. Il faut essayer d'en trouver. Il faut essayer d'en trouver. En fait, je l'ai pas dans mon inventaire. Ah, il me semble que des fois ils peuvent déborder du sol, hein, donc des fois il faut juste promener. Ah, je ne vois pas de les alphas de glace, ça c'est embêtant. Oh, sanctuaire. Sérieusement? À proximité? Et aussi pareil, si on trouve un Littoroc ou quoi, on le notifie, mais on ne le fera pas tout de suite. Et grotte pareil aussi. Hein. On trouve pas de... Les alphas de glace. C'est ça, c'est emmerdant, ça. Niveau inférieur, donc ça veut dire que c'est dans une grotte. Eh, mais... Ok, il y a un sanctuaire là. On va le notifier. Vous voyez, on le notifie. Putain, ça fait trois. Donc ça fait trois sanctuaires qu'on a entreperçus. Ok. Ah ah ah. Ok, remplacer la balise. Le Littoroc qui détient la pierre certainement du sanctuaire. Mais c'est chelou que je trouve pas de les alphas de glace. Attendez, je sais à la zone où il peut y en avoir énormément. Là. Cette zone-là, dans Breath of the Wild, c'en est truffé. Dans cette zone-là, il me souvenir, dans Breath of the Wild, c'en est truffé. Donc, normalement... Alors, s'il n'y en a pas, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et comme par hasard, de toute façon, on en cherche, on n'en trouve pas. On n'en cherche pas, on en trouve. C'est toujours ça. Bon, par contre, en plus, on va devoir s'arrêter là pour cet épisode. Donc, j'aimerais au moins en avoir un. Et surtout, le prendre en photo. Parce que par contre, le prendre en photo... Ah, voilà. L'autre, il était là. Je ne trouve pas. Oh putain de ta mère de coffre. Bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouvera pour l'épisode 415, les amis. Tant pis, on verra. Quand on tombera dessus, on essaiera de le trouver. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode 414 de notre aventure 100% sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et on se dit à l'épisode numéro 415. Allez, d'ici là,
portez vous bien, ciao tout le monde. Hey, peace. Et on essaiera de le trouver pour l'épisode prochain, d'accord, si ça vous dérange pas, pour essayer de le prendre en photo. Par contre, on a vu le linéalement.